السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد الجعيتي في دورة بسيطة عن تعلم لغة السي بلس بلس بعجالة. طبعا اخترت درس وجد وقررت أنني أقدمه على طريقتي، لأنه الوقت كيف كتعرفوا ضيق، وخصوصا باش تكريي درس بيان كور من الأول حتى الآخر، سورتو افيك باغ اكزومبل لا تيك او بيان باوربوينت، و سورتو سور ان لونغاج بحال سي بلس بلس كياخد وقت بزاف. اخترت واحد الكوب اللي مبسط وان شاء الله باذن الله غادي نفهم منه بزاف ديال الامور. الوغ غنبدا بواحد لانتروديكسيون سور لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. دونك لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي كتختلف على واحد اللغه اخرى سميتها la programmation procédurale. Donc, par exemple, on a le langage C, qui est un langage de bas niveau, donc près de la machine, et on a aussi un langage C++, ou bien Java, ou bien Python, qui est le langage qui va être la machine. Donc, on a un système qui est un système d'interprétation, ou bien un système de compilation, pour que يتحولوا لنا واحد الفيشي كي تسمى فيشي بوان او بي جي، اللي هو اصلا كيكون فيشي بينير. دونك هذاك لو فيشي كيكون قريب من لا ماشين، و باغ لا سويت غادي يولي ان كود افيك لاسامبلور بيان ايفيدامون. دونك تقدر تبان لكم هاد لا ميثودولوجي اوبسكور، مي راه هي لا ميثودولوجي اللي اي بروغرام اكزيكوتا بها وكتمشي كيمشي بها. دونك لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي une programmation consiste à assembler des briques logicielles. Donc, c'est quoi? Des briques, on met des objets. Donc, on a la construction des classes. Ou les classes, c'est-à-dire après qu'on a les objets. Donc, un objet représente une entité du monde. Alors, la plupart des langages de programmation aujourd'hui sont basés sur l'approche objet. Donc, il y a Java, par exemple, C Sharp, Swift, Python, PHP, JavaScript. Donc, il y a tous des langages programmation, de langage de programmation orienté objet. Qui, on peut les utiliser comme un langage procédural, mais il y a d'autres qui peuvent les utiliser comme un langage procédural, par exemple, on peut dire Java. Donc, toujours, il y a la notion des classes, les objets, ainsi de suite. Donc, il y a Swift, Python, PHP, JavaScript, mais les objets ne sont pas uniquement utilisés pour la programmation. Bien évidemment, les objets ne sont pas utilisés pour la programmation. Alors, on a, par exemple, l'orienté objet côté des bases de données. Par exemple, on a Oracle, qui semble par exemple l'orienté objet ou bien relationnel objet. Donc, on peut utiliser des objets même pour la persistance des données, le stockage des données, les transactions, ainsi de suite. Donc, on a aussi la méthodologie de conception l'UML. Donc, الناس اللي قارين هادشي عارفين بزاف بلي راه كنحتاجو l'UML surtout pour développer des applications par exemple intranet avec مثلا G2E ou bien des applications logicielles en C++. Aussi pour le développement web, donc on s'amène le HTML CSS, donc accompagné de JavaScript, donc on s'amène le langage PHP pour développer des pages ou bien des sites dynamiques. Alors, le premier objectif bien là, pour faciliter le développement d'une application robuste. Donc, ça c'est quoi l'application robuste. L'application robuste. Donc, par exemple, un américain gauche, l'orienté objet, la garantie 100% d'une application robuste, mais ça dépend de la conception de l'application et aussi ça dépend de codage. Par exemple, là, je peux créer des applications en C, même en C, ou avec un radicono très robuste. Alors, on passe maintenant à une autre chose. Donc, la comparaison, par exemple, de la programmation impérative. Donc, c'est la programmation procédurale. Donc, par exemple, C ou Pascal, ou bien, je pense, Ada, même Ada avec une extension modulaire. Donc, par exemple, impératif. Donc, un problème est décomposé en sous-problème. Donc, la programmation orientée objet. Alors, les traitements sont les fonctions, les méthodes, et les données. Donc, pour la programmation orientée objet,
Donc, les traitements opèrent sur les données et les données influencent sur les traitements. Donc, il y a la relation entre les traitements et les données. Pour la programmation procédurale, les traitements sont séparés à les données. Donc, par exemple, le système d'exploitation, par exemple, le système d'exploitation des machines à laver, donc c'est un système monobloc ou qui redémarre un seul bloc. Donc avec le bloc, par exemple, si je fais par exemple update le code d'il, avec le code exécuté, mais l'ol dès le premier d'il, c'est le cas. Donc c'est la programmation orientée objet, donc qui n'a la séparation des fichiers, mais il y a une relation entre les méthodes, d'abord les fonctions, comme les fonctions, comme les méthodes. Donc, il y a la relation entre les méthodes et les données. C'est ça la seule différence, ou bien parmi les différences entre les langages, entre la programmation procédurale et la programmation orientée objet. Donc, pour l'objet, on a identifié les concepts ou bien les entités du problème. Donc, par exemple, un problème, donc je peux identifier le problème comme un objet ou bien comme une entité, ainsi de suite. Donc, les relations entre ces concepts, chacun de ces concepts est ensuite représenté par les données qu'il contient et par les traitements qu'il est capable. Donc, les filles, les Alors, langage à classe. La plupart des langages de programmation OO, orienté objet, sont des langages à classe. C'est quoi? C'est-à-dire, quand on définit la classe. Ou là, par exemple, je peux construire par exemple un arbre par exemple, la construction avec le langage C par exemple par une matrice. Mais avec par exemple Java, comme dit la construction par une classe, la classe a dit construire l'arbre d'y aller avec les nœuds, avec par exemple les éléments les britannettes. Donc une classe définit un moule pour comme un moule, donc maintenant le moule dit le hello, quand ça va être hello, donc c'est ça la classe. Donc, par exemple, on dit la boîte mystère, la boîte mystère, donc, la boîte, c'est la case d'elle. Donc, c'est les objets. Donc, pour un ensemble d'objets, quand la même structure et fournissent les mêmes traitements. Alors, là, le langage C++. Donc, là, brièvement, la programmation orientée objet, ou faire d'autres choses, vous êtes des. Donc, l'introduction au langage C++. Donc, langage C++ est créé par le langage C, bien évidemment. Donc, c'est une extension dès le langage C. Le langage normalisé par l'ISO. Donc, Dimarof, l'Institut de normalisation, je sais pas, internalisation des systèmes, la complète. Alors, défini dans les années 1980, mais a évolué depuis C++ 88, C++ 03, C++ 11. On a indiqué le système d'élite C++ 11, où je fais des problèmes pour les dernières versions C++ 14, C++ 10, 17. Donc, je pense qu'il y a des extensions, des problèmes, ou bien, par exemple, maintenant, le système, fait comme de l'exécution du code d'Ali, donc quand on clôt le système, on a avec un drive, donc un drive de C++, مثلا 14 ou 17. Donc les dernières versions, قريبًا تقدر تلقى des problèmes parce que عندنا Windows, حنا راك عارفين كتمشي كتيليشارجي Windows, كديرو كتبوتي في كلي وكتخدم به, ماشي كتجيبو مثلا سيرتيفيي من عند مايكروسوفت وكتخدم به. Là, comme j'ai dit, C++ est une extension de C, donc l'amélioration de C facilite l'apprentissage pour quelqu'un. Par exemple, on peut créer le code C++, on peut inclodifier le C. Donc, c'est une extension de C. Facilite l'apprentissage pour quelqu'un qui connaît déjà C. Donc, il est programmé avec le C, et on peut programmer facilement avec le C++. Alors, doté bien évidemment d'une bibliothèque de classes et algorithmes, portable, je peux utiliser plusieurs environnements, logiciels. On a dit deux logiciels qui sont des DevC++ et Django.
يعني هذا بلو سامبل و رابيد على سي بلس بلس. الوغ نرجع الكور ديالنا دون ادوب سي بلس بلس دون ادوب فوتوشوب جوجل كروم مايكروسوفت ويندوز ام اس اوفيس ليبر اوفيس ايدج موزيلا ainsi de suite. Donc c'est plus utilisé dans tous les logiciels, je pense, dans les logiciels, c'est quand même utilisé C++. Alors, c'est quoi les objectifs de C++? Donc l'efficacité, la rapidité énorme. Donc le langage n'ajoute aucune fonction cachée, demande de la mémoire ou des traitements. Donc par rapport à les langages, par exemple, par rapport à Java, donc par exemple, la ramasse pour un dollar, inshallah, d'autres séances ou bien d'autres sections. Donc, la ramasse miette ou bien le garbage collector qui n'a fait Java, mais qui n'a fait plus. Donc, par exemple, plus de détails. Donc, aussi le développement plus rapide, donc, utilisation des bibliothèques standards. Par exemple, les bibliothèques des cercles, c'est plus comme j'ai dit. Donc, gestion de la mémoire plus simple. On peut gérer la mémoire par l'allocation et des allocations de la mémoire. Mais c'est l'allocation de mémoire C. Qu'on a qu'un simple free. Ou qu'on a qu'un simple aussi malloc. Donc, on va utiliser C++, new et destruct. Ou bien destroy. Alors, vérification plus stricte des types, donc, donc, avantage de la peau, bien évidemment, programmation générique, PAL Java, et programmation fonctionnelle, on peut utiliser des fonctions prédéfinies ou bien des structures événementielles, pardon, je pense, une brève introduction à la programmation orientée objet et le C++. Donc rankemlo inchallah binillah la vidéo alqadim binillah les types et variables et la location dynamique, les constantes et les références et les inférences de type et les conversions de type et la compilation. Alors à bientôt.